Ok, alors chers amis, bonsoir, 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 bonsoir. Aujourd'hui, c'est un direct spécial. Je vais m'adresser aujourd'hui à Sémi Goïta. Je vais m'adresser à Traoré. Compte tenu de la situation sécuritaire qui devient vraiment difficile, non seulement dans le nord du Burkina et du Mali, c'est que ce qu'on voit actuellement au Burkina, au Mali, actuellement au Mali, la guerre a carrément repris. Tous les accords d'Algérie aujourd'hui sont piétinés. La guerre a totalement repris. Donc, je vais vraiment m'adresser aujourd'hui non seulement aux Maliens, mais je vais quand même parler encore à Sémi Goïta, je vais parler à Traoré. Ce qui se passe aujourd'hui dans le nord du Mali, c'est triste. Depuis quelques semaines, la situation est devenue inquiétante. Aujourd'hui, les groupes armés, et comme on appelle ça, les putschistes s'affrontent. C'est de vraies guerres. C'est de vraies guerres. Au début, quand on a commencé nos vidéos, quand on a fait le coup d'État contre Ibeka, j'avais dit aux gens que ce coup d'État, ça devenait dangereux pour le Mali. Quand on a commencé le coup d'État au Burkina, j'ai dit que ça devenait dangereux. Ça devenait dangereux pour le Burkina Faso. Les gens ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, ça fait un an plus que Traoré au pouvoir. Aujourd'hui, Traoré n'arrive plus. Il n'arrive plus à combattre véritablement les terroristes. Il n'arrive plus à combattre ces groupes armés. Et je vous rappelle toujours que ces groupes armés sont des fils du Mali, sont des fils du Burkina, qui réclament leur part d'héritage de leur propre pays. Je l'ai dit que la Ouazab existait depuis que le Mali est Mali. Avant que la crise de la Libye ne commence, ces groupes armés-là étaient déjà au Mali. La Ouazab a toujours réclamé son indépendance. Tout le monde sait. Tous les présidents qui se sont succédés au Mali le savent. Assimi Goïta lui-même le sait. Chers amis, aujourd'hui, ça ne va pas au Mali. Ça ne va vraiment pas au Mali. Ça ne va vraiment pas au Mali. Hier, j'ai parlé de ça, je me suis prononcé sur ça. Assimi Goïta, comme on appelle le président, et comme on appelle les putschistes au Niger et au Burkina, se sont retrouvés. Ils ont mis en place une charte, ils ont créé une alliance d'après eux. Ils vont combattre les terroristes, ils vont protéger leurs frontières, ils vont mettre ensemble une politique de développement. Je l'ai toujours dit, la politique, la vraie politique de développement viendra des pouvoirs civils. La vraie politique de développement viendra des pouvoirs civils. Les pouvoirs militaires, aujourd'hui où on est au 21e siècle, non seulement ne peuvent pas sécuriser les pays, mais ils ne peuvent pas développer les pays. Quand tu dis ça, les gens pensent que tu mens. Mais c'est une vérité que je vous dis. Ça fait aujourd'hui 3 ans qu'Assimi Goïta a débarqué Ibeka. Ibeka est mort. Ça fait 3 ans. Aujourd'hui, quand Assimi Goïta a commencé à aller vers Wagner, quand il allait vers Wagner, j'ai dit, ah, ça devient encore dangereux. Tu vas aller prendre une milice armée en Russie, venir les mettre dans le Sahel. Les gens applaudissent, ils ont dit, ah, c'est pour la liberté. C'est la lutte contre l'indépendance. C'est la lutte contre l'impérialisme. C'est la lutte contre le colon. Je dis, c'est grave. Les puissances là, mondiales, là, ils se connaissent. La France, les États-Unis, la Russie, la Chine se connaissent. Ils se connaissent très bien. Ils mangent ensemble. Ils parlent ensemble, ils se moquent de nous ensemble, ils savent tellement de choses. Parce que ce n'est pas maintenant qu'ils ont connu la Première Guerre mondiale, ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas nous les Africains qui allons les distraire. Si on n'est pas sage, on n'est pas intelligent, on va créer le désordre dans nos États. Eux-mêmes qui ont fait Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, est-ce que chez eux il y a des coups d'État? Ceux-mêmes qui ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, quelles que soient les colères, les frustrations, les attaques djihadistes, terroristes, est-ce qu'il y a une faillite coup d'État?
Quand tu parles en Afrique, on ne te comprend pas. Les gens sont dans les émotions. La Russie a eu affaire à du terrorisme. Est-ce que Poutine et ses amis ont fait coup d'État? Alors qu'ils avaient tous les moyens de faire le coup d'État, ils n'ont pas fait le coup d'État. En France, il y a eu Charlie Hebdo. Aux États-Unis, il y a eu l'attaque du World Trade Center. Est-ce que les soldats américains ont fait coup d'État? Ils n'ont pas fait de coup d'État. Chacun est resté à sa place. En Chine, il y a eu des événements terribles. Est-ce qu'il y a eu coup d'État en Chine? Il n'y a pas eu de coup d'État. Ils sont restés là dans leur bord, chacun est resté à sa place. Dans leur pays. C'est chez nous, dans le Sahel, qu'aujourd'hui on fait la promotion du coup d'État. On applaudit le coup d'État. Quand Traoré faisait son coup d'État, Traoré dit que Ibeka et Damiba, pardon, quand Traoré et Damiba ont commencé leur coup d'État, l'argument, ils ont dit que Ibeka n'arrivait pas à lutter contre le terrorisme. Quand Traoré et Damiba ont fait leur coup d'État, ils ont dit que Ibeka et Roch Kabore n'arrivaient pas à lutter contre le terrorisme. Quand Traoré a fait au Mali, Assimi Goïta a fait son coup d'État, pareil. Ibeka n'arrive pas à lutter contre le terrorisme. Ils ont dégagé les deux présidents. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans au Mali. Nous sommes à plus d'un an au Burkina Faso. Les terroristes gagnent du terrain. Les terroristes tuent. Les terroristes humilient des populations. Jusqu'à présent, les pushis sont encore là. Il n'y a pas de coup d'État contre eux. Il n'y a pas de coup d'État contre eux. Ils sont assis là. Alors qu'ils avaient promis, en 3 mois, à 6 mois, débarrasser ces États-là des djihadistes et des terroristes. Quand ils ont fait leur coup d'État, il a été clair. Il y a dit cela. Ils ne viennent pas pour lutter, pour se débarrasser des terroristes et des djihadistes, parce qu'ils sont partenaires. Ils utilisent les terroristes et les djihadistes pour fragiliser les systèmes politiques démocratiquement installés. C'est-à-dire, les choix du peuple, leur travail, comme ils lisent des livres communistes et autres, des livres pour lutter contre l'impérialisme, d'après eux. Alors qu'en réalité, quand Traoré a commencé, Traoré nous a dit, lui et Damiba, c'était pour lutter contre les terroristes. Damiba a pris le pouvoir. Damiba a vu ce qui s'est passé. Ses propres hommes abandonnent les fronts. Ils abandonnent les Burkinabés. Ses propres hommes, ses officiers, abandonnent les Burkinabés, ils laissent les terroristes prendre du terrain. La preuve en est que Traoré lui-même a fui le front et il est venu faire un coup d'État. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand l'autre pouvoir, au lieu de se battre contre les terroristes et les djihadistes, ils sont dans des faux complots. Ils indiquent les positions de leur propre armée aux terroristes. Quand ça ne va plus, ils viennent faire des coups d'État et ils s'installent. Quand ils s'installent, ils n'arrivent plus à libérer le pays. Regardez aujourd'hui au Burkina. On nous cache beaucoup de choses. Mais au Burkina aujourd'hui, le Burkina aujourd'hui est en insécurité. La situation sécuritaire est préoccupante. Ça ne va pas au Burkina. Vous voyez Traoré lui-même, il est toujours blindé. Il est dans des voitures blindées. Il est assis à Bamako, à Ouagadougou, pardon. Avec ses amis. Il porte toujours les gilets papa. Quelqu'un qui dit qu'il est venu libérer d'abord, il a commencé, il dit que c'était pour libérer le peuple. Aujourd'hui, il est dans les gilets papa, dans des voitures blindées. Il allait en Russie. La Russie, Wagner lui a donné des chars blindés, c'est dans ça qu'il est. Il se promène et chaque jour, les terroristes des villages sont incendiés. Des populations fuient. La Côte d'Ivoire aujourd'hui vient d'accueillir combien de milliers de Burkinabés sur son territoire? Combien des milliers de Burkinabés qui rentrent dans notre pays depuis que Traoré est à la tête du Burkina. Les gens rient, ils sont contents, c'est l'impérialiste. Quand ils commençaient, ils n'ont pas dit qu'ils luttaient contre l'impérialisme. Et c'est le mal que vous avez en Afrique. Quand je dis les gens prospèrent dans des pays où le taux d'analphabétisme est élevé, les gens pensent que je mens. Les gens prospèrent là où il y a la pauvreté, que les putschistes et les terroristes et les djihadistes prospèrent. Et je vous dis ça à chaque fois. Là où il y a la pauvreté, c'est là les putschistes et les terroristes et les djihadistes. Parce que moi, il n'y a pas de différence entre terroristes, putschistes et djihadistes. Ce sont les mêmes personnes. Ils fonctionnent de la même manière. Ils font des otages.
Ils divisent les populations, ils créent le désordre, ils pillent les ressources du pays. Ils vont même livrer les ressources du pays à des groupes armés privés de la Russie. C'est malheureux, c'est honteux, et puis ça fait pitié pour ces pays-là. Au Burkina, et comme on appelle ça, au Mali, il y a un groupe politique qui sont dans le nord, qui viennent de faire, qui sont organisés pour demander à Assimi Goïta. J'ai ça ici, j'ai vu ça sur le Twitter de mon frère Daniel. On appelle ça Parena. Parena. On demande à Assimi Goïta. Et ils disent, ils ne sont pas dans leur palabre. Que ceux qui sont au Mali, qui sont les groupes armés, tout est dedans. J'ai un message sur ma page. Ils disent, ce sont les fils du Mali. Ce sont les fils du Mali. Ils demandent à Assimi Goïta et à ses groupes armés de s'asseoir et de se parler parce que ça ne va plus. Beaucoup de villages ont disparu. Il y a des villages qui n'existent plus au Mali. Les terroristes, chaque jour, les groupes armés, chaque jour, humilient les populations. Et ça, c'est sous Assimi Goïta. Hein? Assimi Goïta qui avait dit venait de libérer en 6 mois. Aujourd'hui, on est à 3 ans et plus. Chers amis, la situation est préoccupante. Je suis ici pour dire à Assimi Goïta, pour dire à Traoré. Vous voyez, chaque jour, vous êtes en train d'humilier votre propre pays. J'ai été clair, j'ai dit aller chercher Wagner. On n'avait pas besoin de faire un coup d'État. Si Assimi Goïta et Traoré pensent qu'ils ont la compétence de diriger le Mali et le Burkina, qu'ils ont une vision ou bien combat contre l'impérialiste, ils n'ont pas besoin de faire un coup d'État. Moi, je dis ça toujours, quand je parle, les gens pensent que je m'amuse. Ils n'ont pas besoin de faire un coup d'État. Parce que les djihadistes, les terroristes, c'est eux qui vous ont aidé à prendre le pouvoir. C'est eux qui ont fragilisé les pouvoirs qui étaient là. Ibeka, Roche Kabore ont été fragilisés. Comme Bazoum. Bon, Bazoum, pour lui, il n'y avait pas de terrorisme, mais il a trouvé une solution. Bazoum avait fait de sorte que, depuis qu'il est au pouvoir pendant 2 ans, il a trouvé la vraie formule. Bazoum a compris que tous ces terroristes et djihadistes sont des fils du Mali. Il faut discuter avec eux. Non, il a discuté avec eux. En 2 ans, il n'y a plus de terrorisme mais de djihadistes. Mais comme Assimi Goïta et Traoré étaient dans une logique de contrôler le Sahel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans leur réseau et ils ont approché l'homme sûr, M. Tiani, qui gérait la sécurité de Bazoum. Parce que Bazoum dénonçait les accords d'Algérie. Bazoum pensait que Bazoum disait toujours comme lui ne peut pas, il ne peut pas comprendre. Vous signez les accords d'Algérie. Et puis à chaque fois, les terroristes quittent le Mali pour venir attaquer le Niger. Bazoum n'était pas d'accord. Bazoum a toujours prévenu l'Algérie. Vous êtes au cœur des accords. Moi, je me suis battu avec la France et autres pour ramener la stabilité dans mon pays. J'ai relevé l'économie. Le PIB était déjà monté à 2%. Il a commencé à relever l'économie. Il a commencé, le Niger était à plat. Le Niger était à plat. Quand Youssouf était là, c'était des groupes terroristes, des djihadistes. Mais Bazoum a eu le courage d'aller vers eux, de discuter avec eux, connaître leur famille, leur village, il leur a posé des questions. Il a parlé avec eux, ce sont les fils du pays. Il faut discuter avec eux. Une solution a été trouvée. Les jeunes ont déposé les armes. Il n'y avait plus d'attaque. Ceux maintenant qui ont dit à Bazoum, que ceux-là, nous les fils, on n'est plus d'État. Mais ceux qui vont venir attaquer le Niger viennent du Burkina. Ce sont des groupes armés du Burkina qui sont en partenariat avec les deux terroristes. Ça a aidé Bazoum. Malheureusement, Assimi Goïta, comme il va être fort, pour lui aujourd'hui, une fois que tu es parrainé par la Russie, tu es parrainé par Wagner, tu peux détruire les terroristes en une fraction de seconde. J'ai dit que c'était de graves erreurs. J'ai dit que c'était de graves erreurs. Beaucoup ne m'écoutaient pas. Aujourd'hui, vous ouvrez un front depuis le Niger, alors qu'il n'y a pas encore de stabilité au Burkina, il n'y a pas encore de stabilité au Mali. Les groupes terroristes sont encore là, vous partez ouvrir un front en déstabilisant Bazoum. Mais ça devient dangereux. Ça devient encore plus dangereux, parce que ce qui se prépare pour le Niger est grave. J'ai dit aux gens, j'ai dit la communauté internationale, il faut apprendre à connaître la communauté internationale.
Si tu ne connais pas la communauté internationale, ce que vous appelez les puissances, les impérialistes, si vous ne les connaissez pas, je dis toujours, avant de combattre un adversaire, il faut le connaître. Tu ne connais pas ton adversaire pour ne pas le combattre, pour ne pas venir distraire le peuple, pour ne pas venir narguer le peuple. J'ai dit ça toujours aux gens. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Dans vos pays, vos populations sont pauvres. Entre vous, il y a trop de problèmes dans vos armées. Dans vos armées, il n'y a pas de problème. Les militaires ne sont pas républicains. Ils sont toujours dans des problèmes politiques. Ils jouent le jeu des terroristes et des djihadistes. Les pays sont pauvres, les villes sont pauvres, les régions sont pauvres. Vous vous levez pour engager des luttes qui finalement rendent vos populations pauvres, humilient vos populations et ces populations, chaque jour, en masse, quittent vos États et ils vont dans les autres États. Mais c'est ce que je dis toujours. Avant de combattre quelqu'un, il faut que toutes les conditions soient réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, n'engage pas de combat. N'essayez pas d'engager des combats là où vous ne pouvez pas arriver. C'est pour ça que je n'ai jamais soutenu le combat de Sankara. Je n'ai jamais soutenu le combat de Sankara. J'ai dit que Sankara, c'est un comédien. En réalité, il n'était pas préparé à mener un combat de révolution. Il a lancé son combat de révolution et il allait où? Lui-même, on l'a arrêté, on l'a tué, on l'a assassiné. Je connais son histoire. Kadhafi l'a appelé. Et Kadhafi lui a dit... Ah, pour des questions de sécurité, je vais te donner une armée, je vais te donner une voiture blindée. Il a commencé à... Même quatre choses au Ghana, Romulus a reçu Sankara. Il a donné des conseils. Romulus nous a reçus au Ghana. Moi, j'étais réfugié au Ghana. Romulus m'a reçu. Romulus nous a dit, la plupart de tous ceux qui font des coups d'État en Afrique, là, c'est des plaisantins. Ils ne sont même pas préparés. Les gens se lèvent comme ça et ils engagent les peuples dans des luttes qui fragilisent les États. Mais ce qu'on parlait, on fait combien d'années? 40 ans de stabilité. Aujourd'hui, je vais parler par... Je commence par Traoré. Hein, et puis, je vais finir par Sini Gonta. Parce que le coup d'État au Niger, là, c'est Sini qui l'a fait. Je vous ai dit, il avait reçu à son temps Tiani, parce que Bazoum n'a pas été vigilant. Il a reçu Tiani. Quand Tiani est venu au Mali, et ils sont allés préparer leur coup. Mais monsieur Sissoko, il faut quitter ma page. Moi, je ne t'ai pas invité. Tu n'es pas obligé de venir sur ma page. Mettre les têtes de moi. Moi, je ne t'ai pas invité sur ma page. Hein. Je ne t'ai pas du tout invité, frère. Voilà, tu peux aller ailleurs. Monsieur Sarah Mohamed, il faut aller ailleurs. Est-ce que tu es obligé d'être sur ma page? Ici, là, ce n'est pas pour venir pleurnicher ici. Quand on dit un combat là, il faut être prêt à assumer aussi la vérité des autres. Acceptez que nous aussi on vous dise nos vérités. Et on n'est pas obligé, nous ne sommes pas vos enfants. Nous ne sommes pas vos esclaves. Nous sommes des citoyens d'un pays, donc on est libre aussi de vous répondre. Aïe, vous parlez, mais nous, aujourd'hui là, allez-y sur les réseaux sociaux, les cyberactivistes maliens là, Burkinabé, c'est la Côte d'Ivoire, ils attaquent matin, midi, soir. Ils sont en complicité aujourd'hui avec certains Ivoiriens qui sont en France. Leur combat, c'est qu'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens ne savent pas, je leur dis toujours que vous êtes des ignorants. La Côte d'Ivoire a déjà connu un coup d'État. La Côte d'Ivoire a connu une rébellion. Une rébellion qui a enregistré tellement de groupes armés venus du Mali, du Burkina, du Niger et de la Guinée. Ils étaient dans notre pays. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé dans notre pays. Donc vous là, vous n'avez pas de leçons à me donner. La rébellion de 2002 à 2010, là, c'était un coup d'État qui s'est transformé en une rébellion. Il y a eu coup d'État. Guy Robert a fait coup d'État. Donc, nous, les conséquences des coups d'État, on les connaît. Nous sommes déjà préparés à ça. Donc, personne ne peut nous distraire dans vos coups d'État que vous faites, vous appelez révolution. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Si vous pensez que depuis vos indépendances, les coups d'État sont peut-être, bon... Pour vous, mais ça, c'est vos problèmes. La preuve en est que personne d'entre vous ne peut me convaincre depuis vos indépendances, les coups d'État jusqu'à aujourd'hui, là. Dites-moi, vos pays sont à quel niveau? Il n'y a personne qui peut me convaincre à quel niveau se trouve le Burkina, le Mali, le Niger. Parce que c'est des pays que je connais. C'est le Niger que je ne connais pas. Mais la plupart de tous ces pays de la sous-région, je les connais. Je les connais. C'est des pays isolés. C'est des pays enclavés. C'est des pays pauvres. C'est pour ça que tous ceux qui sont là, tout le monde aujourd'hui chez nous en Côte d'Ivoire,
C'est au Sénégal, c'est le Nigeria, c'est le Bénin, c'est nous qui encaissons tout ça. Donc nous, on vous dit la vérité, quelles que soient vos colères. Moi, je suis obligé de vous dire la vérité. Chers amis, moi, j'ai été reçu par l'ancien président Gagné Ronis. Tous ces pushistes qui font les coups d'État, c'est des plaisantins. Les gens croient qu'aujourd'hui, c'est faire un coup d'État, déstabiliser un régime politique. Aller voir Wagner, aller en Russie, qui te donne la stabilité, c'est pas vrai. Je commence par Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Il allait en Russie, il a bavardé. Mais la réalité est aujourd'hui devant lui. La réalité est devant lui. Aujourd'hui, les terroristes, moi je suis les vidéos, je suis sur les sites, je regarde tous les matins, je me réveille. Chers amis, ce qui se passe au Burkina est grave. Aujourd'hui, Traoré même, lui-même là, il n'est plus en sécurité. Ça dit aujourd'hui, Traoré est entouré, ça dit son armée là, l'armée qui était censée aller être sur le front, dans les villages, libérer jusqu'à sortir même, ça dit débarrasser même le Burkina des terroristes, de leurs frères, groupes armés, ils sont tous à Bamako. Ils sont tous autour de Traoré. Regardez son cortège. Quand vous regardez le cortège de Traoré, c'est triste. Quelqu'un qui dit qu'il est venu mener un combat d'indépendance et de souveraineté. Un combat contre l'impérialiste. Lui-même là, il est blindé. C'est-à-dire toute l'armée autour de lui. Quand il se promène, oh, allez-y même voir Doumbouya. Quand Doumbouya sort comme ça, il va à la mosquée là. Il n'y a plus d'armée. C'est-à-dire tous ils sont près de lui. Parce qu'ils ont peur que d'un moment à l'autre, il y ait un coup d'État contre lui. Je vais dire à Traoré, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a renversé Damiba. Pourquoi? Parce que quand Damiba a pris le pouvoir, Damiba a essayé, mais ça n'allait pas. Damiba a compris que accuser Roch Kabore, ce n'était pas ça la solution. Damiba a compris. Parce que maintenant, il était maintenant au pouvoir. Il avait les règles. Il avait tout. Combien de temps? La même Ibrahim là, c'est lui qui montrait les positions aux terroristes. Pour fragiliser aussi Damiba. Mais c'est lui qui montrait les positions aux terroristes pour fragiliser Damiba. Damiba était fragilisé. C'est ça le vrai problème de vos armées. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas honnêtes. Ils aiment tous le pouvoir pour vous distraire. J'ai dit ça toujours au Burkina. J'ai dit, vous êtes en retard. Et tant que vous continuerez d'applaudir les pushistes dans vos états, vous n'allez jamais vous en sortir. Jamais. Je vous dis ça toujours. Et je dis Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara. Pourquoi ils ont déstabilisé Damiba? Parce que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara estimait à un certain moment donné qu'il faut un rapprochement parce qu'il faut qu'on les aide. La Côte d'Ivoire était prête à aider le Burkina à trouver des solutions contre les terroristes et les djihadistes. La Côte d'Ivoire a tout fait pour les raisonner. Ils ne veulent pas. Eux, là, c'est Russie. C'est-à-dire, Russie qui n'est pas, dans votre économie. Russie qui n'a pas vos populations sur son territoire. L'argent ne quitte pas en Russie pour rentrer au Burkina. C'est en Côte d'Ivoire, ça quitte. C'est-à-dire, votre source là, de richesse, là, c'est la Côte d'Ivoire. Vous avez des milliers de citoyens, des millions de citoyens en Côte d'Ivoire. Le président de la République reçoit Damiba. On essaie de vous expliquer des choses. Le lendemain, vous renversez Damiba. Ok. Nous, la Côte d'Ivoire, on a laissé tomber. On appelait Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit non, mais traite. Il s'en fout des autres. Lui, il est venu combattre l'impérialiste. Mais quand Traoré venait, il n'a pas dit qu'il combattait l'impérialiste. Quand Traoré venait là, il n'a pas dit qu'il venait combattre l'impérialisme parce que ce sont les erreurs que vous faites à chaque fois. Quand tu viens combattre un système, il faut dire que je viens combattre un système. J'ai dit ça même sous Babo. Babo dit non, je viens faire la refondation. Il dit, eh, là où on va là, c'est grave. Ça veut dire quoi la refondation? Ça veut dire quoi? On va tout déraciner et puis on va tout reprendre à zéro. Babo a vu la suite. Lui-même, il a fait parler avec Guy Robert. Il a encouragé Guy, il a déstabilisé Guy Robert lui-même. Il a déstabilisé Guy Robert. La refondation nous a mené où? 3000 morts à la fin. Il n'a même pas fait de route. C'est-à-dire, piste villageoise, Babo n'a rien. Babo a passé tout son temps à payer des armes en Russie.
Les mêmes armes que vous payez là. Bagba a payé ça en Russie. Il a tenté même une opération dignité contre Soro. Les gens sont rentrés dans une colère. On a tout bombardé. J'étais devenu eux tous leurs ennemis. Je leur disais toujours, vous êtes en train de nous distraire. On dit, c'est embêté. Il n'est pas. J'ai dit, ça là, c'est la comédie. C'est la comédie. Vous, bon, vous avez tout bombardé. Parce que les armes qu'on achetait avec la Russie, ce sont des armes qu'on appelait en tout. Ils ont acheté en toute illégalité. Quand la France a bombardé ça, il n'y a rien eu. Aucune plainte, rien. C'est resté là. Par les puissances là, ils se connaissent. Ce qu'aujourd'hui les États-Unis envoient à l'Ukraine, la Russie bombarde, et puis il n'y a rien. La France envoie, les gens bombardent, et puis il n'y a rien. Et puis ils sont dedans, c'est un jeu. J'ai dit à Traoré, je ne pensais pas lui, il a commencé, puis il a terminé par. Parce que c'est leur coalition qui a renversé Bazoum. Parce que les dirigeants de la CEDEAO n'ont pas été vigilants. Bazoum lui-même n'a pas été vigilant. Il a été d'abord victime de deux coups d'État. Voilà, il a été d'abord victime de deux tentatives de coup d'État. Normalement, il devait prendre ses responsabilités. Il a continué à rester dans les sentiments. C'est retourné contre lui. C'est triste, mais on est dedans. Je vais dire à Ibrahim Traoré, faites tout pour que ma vidéo arrive à Ibrahim Traoré. Parce que je suis content, hein, parce qu'aujourd'hui, les statistiques qui me reviennent disent que je suis beaucoup suivi par les gens du Niger. Je suis beaucoup suivi par les gens du Burkina. Je suis beaucoup suivi par les gens du Mali. C'est déjà quelque chose pour moi. En tout cas, en Afrique aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui nous suivent. Et ça, nous, ça nous va droit au cœur. Avec nos vidéos, les gens apprennent beaucoup de choses. Je voudrais dire à Traoré, Ibrahim Traoré, tu vois, tu as renversé Damiba. Aujourd'hui, Damiba est au Togo. Togo, où vous partez là, est au Togo. Nous, la Côte d'Ivoire, on a été au Togo. La Côte d'Ivoire, quand il y a eu la rébellion de 2002, il y a eu des négociations au Togo. Togo, là, ce n'est pas un pays où tout est clair. Damiba est là-bas. Regardez, je dis, les terroristes montent en puissance. Les djihadistes montent en puissance. Parce que Damiba ne va pas se laisser faire. C'est ce que je reproche toujours. C'est ce que je dis toujours. Les coups d'État entraînent des coups d'État. Et ces coups d'État entraînent l'instabilité. Parce que Damiba qui est parti là, et ses amis là, ils ne vont pas se laisser faire. C'est pour ça que les coups d'État n'ont pas de sens. Damiba pense que lui, les soldats, il a été humilié. Il est parti, il est là-bas. Blaise Compaoré a fait combien d'années? 40 ans de stabilité. Le président Alassane Ouattara, à un certain moment donné, est allé les rassurer, laisser Blaise rentrer. Quand Blaise était au pouvoir, le président Ouattara n'était pas dans la politique. Mais il a compris, parce que nous aussi on a fait des vidéos pour interpeller nos dirigeants qu'il faut tout faire pour que Blaise retourne dans son pays. Pour qu'il ait la stabilité, et c'est ça Roch Kabore n'a pas compris. Roch Kabore, quand il a pris le pouvoir, lui il était avec Blaise. C'était l'homme de Blaise. Et il connaît le fonctionnement, le système. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais Roch Kabore savait. Il y a un artiste ivoirien qu'on appelle Fadel Dé. Fadel Dé, c'est mon grand frère. Il avait un réseau. Il rentrait chez Roch Kabore. Un jour, j'appelais Fadel Dé. J'ai dit, frère, fais tout pour qu'on rencontre Roch Kabore. Il faut qu'on change le système de communication de son pouvoir parce qu'il communique très mal. Cette histoire des terroristes et des djihadistes, demandez à Fadel Dé. Il n'a qu'à chercher à trouver des solutions pour parler à Blaise. Blaise a fait 40 ans de stabilité. Comme Traoré critique le fait que. Parce que j'ai dit ça, parce que c'est à Traoré, je ne parle pas. Parce que Traoré Ibrahim, devant des jeunesses, il avait une vidéo où il dit que Blaise négociait avec les Blancs pour. Avec l'impérialisme, ce qui leur a permis d'avoir 40 ans de stabilité. C'est Traoré qui le dit. Traoré qui est au pouvoir au Burkina, là, partagez la vidéo. Traoré dit, j'ai toute cette vidéo, Traoré dit, Blaise Compaoré, là, lui, il négocie avec l'impérialisme. C'est pour ça qu'ils ont eu 40 ans de stabilité. Ça fait un an, il est là. Combien de milliers de Burkinabés qui meurent? Ça fait un an plus il est là. Combien de milliers de Burkinabés qui meurent? Combien de villages ont disparu? Traoré allait prendre des avions en Russie. Il fait des films.
Ça passe sur les télévisions du Mali, du Burkina. Moi, j'appelle ça des films. Parce qu'après, il n'y a rien. Ils sont toujours à Ouagadougou. Ils finissent de bombarder, ils veulent s'asseoir. Et les terroristes, maintenant, vont aussi se venger. Ils vont tuer les gens. Quand vous finissez de bombarder, mais allez-y maintenant, ça dit allez-y maintenant récupérer ces villes. Mais vous prenez vos avions, vous bombardez, puis vous retournez. Et vous laissez la population aux mains des djihadistes. Parce que vos armées sont incompétentes. Ils ne peuvent pas traverser. Ils ne peuvent pas traverser les villes et les villages pour aller les récupérer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Mali. C'est ce que j'appelle une longue guerre. Et elle sera difficile. Cette crise-là, il y a des Burkinabés qui s'amusent. Mais celle-là, elle va être longue. Elle va être longue. Et puis elle va faire reculer vos états. Vous n'avez pas encore suivi. Vous savez, j'ai dit, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine. C'est pour ça qu'il est bon d'accepter le pouvoir civil. On va aux élections, le gars a eu ses 5 ans, il s'en va, on met quelqu'un d'autre et puis on avance. Il a eu ses 5 ans, il finit, ça n'a pas marché, on va aux élections et puis on avance. Mais si vous acceptez des coups d'État, vous légitimez les coups d'État, ça devient dangereux pour vous-même. Chers amis, Blaise Compaoré a fait 40 ans. On leur a dit discuter avec Blaise, ils n'ont jamais voulu. Ils critiquent le combat de Blaise. Comme Gbagbo avait critiqué le combat de Nelson Mandela à Yamoussoukro. J'ai dit à mes amis, j'ai dit, dites à Gbagbo, il n'a qu'à arrêter sa comédie. J'ai dit, Gbagbo, on dit non, ça sort, c'est plus la peine. Tu ne discutes plus avec nous, tu n'es pas sérieux. J'ai dit, combat de Mandela, là, c'est un bon combat. C'est un bon combat, il sait d'où vient. Il a fait 27 ans de prison. Il a été avocat, il a pris les armes pour lutter contre un système. Il a vu que ça n'a pas marché. Ils l'ont mis en prison pendant 27 ans. Il sait ce qu'il a vu. Il est venu, il a fait 5 ans, il est malade, il a laissé le pouvoir, il est mort. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a la stabilité. L'Afrique du Sud aujourd'hui se développe. Voilà le débat. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est partenaire dans tous les pays du monde pour la stabilité, la sécurité. Ce qui est important pour la paix, c'est d'abord la sécurité et le développement. La Côte d'Ivoire a tout fait. Le président Ouattara a tout fait. Ibrahim dit, lui va écouter Assimi Goïta. Ibrahim est derrière Assimi Goïta. Il est toujours au Mali. Mais le Mali a quoi? Le Mali n'a rien. Assimi Goïta n'est qu'un peu comédien. Moi, je dis toujours, Assimi Goïta, il est venu sacrifier le peuple malien. Aujourd'hui, au Mali, ce qui se passe aujourd'hui entre les djihadistes et Wagner, c'est grave. C'est grave. Jusqu'à même, les djihadistes attrapent même des soldats de Wagner. Des djihadistes qui attaquent des avions Albatros, qui détruisent aujourd'hui des avions. J'ai dit aux gens, les armes qu'on vous donne, il y a toujours un autre moyen pour bombarder ces armes. Les blancs savent ce qu'ils font. Les armes qu'ils vous donnent là, quand vous quittez la nuit, la journée, la nuit, ils appellent vos adversaires et ils disent, bon, on leur a donné quelques albatros là, prenez ça là, deux missiles là, ça peut détruire ça. On dit, c'est combien? On dit, ça coûte tant. Ils envoient la facture parce qu'ils ont or. On dit, ça fait comme on dit, voilà ça. Et ils passent par des réseaux. Ils passent par des réseaux, il faut rentrer ces armes dans le pays. Et entre vous là, vous allez vous battre pendant des années. C'est ce qui se passe en Ukraine actuellement. Aujourd'hui, vous voyez que Poutine va solliciter l'aide du président petit coréen, Corée du Nord. Un petit qui a fait ses études en Suisse. Une grande puissance comme la Russie qui va solliciter un petit. Une grande puissance comme la Russie qui va solliciter la Corée du Nord. Ça veut dire que ça ne va pas. J'ai dit ça toujours ça. J'ai dit ce que vous dites là, ce n'est pas forcément la vérité. Vous vous trompez. Vous ne fabriquez pas d'armes. Même chez vous-même, il n'y a pas de nourriture. Vos populations sont pauvres. Les enfants ne vont pas à l'école. En matière de technologie, vous êtes pauvres. Au lieu d'être intelligent, c'est vous qui vous levez, on sait combattre l'impérialisme. Vous avez quoi pour combattre l'impérialisme? Vous avez quoi? Vous avez quoi pour combattre la France? Vous avez quoi pour combattre les États-Unis? Vous avez quoi?
Poutine même qui a une puissance militaire aujourd'hui. Mais le même Poutine là, il peut pas se lever pour aller combattre les États-Unis. Il sait que derrière l'Ukraine, il y a les États-Unis. Il sait que derrière l'Ukraine, ce sont les États-Unis. Mais pourquoi il ne va pas combattre les États-Unis directement? Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. C'est un jeu. Parce que quand les États-Unis, en Syrie, on a vu la même chose. En Libye, ils ont fait leur coalition. Mais dans cette coalition de la Libye, Poutine était là, il n'était pas président, mais il était vice-président. Il était le premier ministre de la Russie. Il était là, et puis on a bombardé Kadhafi. Mais ils ont partagé les ressources de la Libye. Aujourd'hui, regardez l'état de la Libye. Il y a le Niger qui est là, la Libye n'est pas loin, le Mali. Vous vous engagez dans un combat de lutte contre l'impérialisme. Ils vont jouer dans vos états. Je vais dire à Traoré Ibrahim, je vais dire à Simi Goïta, tu vois aujourd'hui tes armes, tes avions, les terroristes aujourd'hui ont trouvé les moyens d'abattre tes avions. Ils arrivent même à prendre des camps militaires. Ils ont une puissance de feu qu'on ne contrôle plus. Ils ont une puissance de feu qu'on ne contrôle plus. J'ai dit au départ dans mes premières vidéos, j'ai dit à Simi Goïta, il faut rendre ta démission, organise les élections. Parce que c'est un pouvoir qui va mettre sur ta tête, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Un moment va venir, le peuple malien va se soulever. Un moment viendra où le peuple malien va se soulever. Les Maliens là, ils vont se soulever. Hein? Tous les griots qu'on a mis, j'ai écouté des vidéos ici. Voilà des vidéos des cyberactivistes maliens. Non, je viens. Chers amis, partagez la vidéo, continuez de vous abonner. Je vais vous faire écouter la vidéo. Moi, toutes les vidéos qu'on m'envoie, si tu veux, tu as dit tous les matins bonheur, très tôt je me réveille vers 3 h pour avoir l'information dans le monde. Mais je commence souvent par le Mali, le Niger et je vais au Burkina. Quand vous suivez les médias, Assimi Goïta va découdre avec les terroristes, il va découdre avec les ennemis, mais il n'y a pas d'ennemis. Au Mali, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des fils d'un même pays. Il n'y a que les fils d'un même pays. Le Mali n'a pas d'ennemis. Ces mêmes fils que vous avez utilisés hier pour fragiliser Ibeka, ce sont eux-là qui ont les mêmes armes aujourd'hui. Les mêmes fils-là, les djihadistes terroristes que vous avez utilisés hier, vous, l'Assimi Goïta, pour fragiliser Assimi et Ibeka, c'est ceux-là aujourd'hui qui ont encore les armes, qui continuent de se battre. Aujourd'hui, vous les appelez des ennemis, mais ce n'est pas des ennemis. Vous les avez utilisés. Nous, on va sur les pages, on regarde. Ils pensent qu'ils ont été trahis. Alors que hier, quand Ibeka était là, mais vous avez pris le pouvoir. Ce que vous leur avez promis là, faites ça. Vous avez promis des choses aux terroristes, aux djihadistes pour fragiliser Ibeka. Maintenant, faites ça. Vous n'arrivez plus à trouver les solutions. Vous vous lancez dans une guerre, dans une commission d'impérialistes et d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'impérialistes. Parce que vous ne pouvez pas combattre l'impérialisme. Parce que tous les canaux de communication que vous utilisez appartiennent à l'impérialisme. La télévision, tout ce que vous avez, les satellites, c'est l'impérialisme. Vous le fabriquez bien. Vous ne faites qu'acheter. Vous ne faites que tendre la main. Vous ne faites que mendier. Vous n'avez pas la technologie. Vous n'avez rien. La France était au Mali.
la MINUSMA, toutes les forces, il y avait la stabilité au Mali. Aujourd'hui, avec Wagner, c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu aujourd'hui du n'importe quoi au Mali. Il n'y a plus de stabilité au Mali. Voilà leur média. Couvre son front au dedans ou même au dehors. Le général aérien Alou Boy Diarra et ses pilotes sont là. Ils sont debout sur les remparts et rien ne les échappe. Les antennes du radar fouillent, les maquillent et nettoient avec expertise. Regardez les commentaires. Et c'est, en fait, c'est les médias là. Ça dit, quand je regarde les chaînes de télévision du Mali, je pense que ça dit, comment vous voulez mener un combat contre l'impérialisme et votre communication est très très nulle. La communication est très très nulle. Il y a trop d'émotions. C'est des griots. Ils ramassent des gens, ils les mettent sur des chaînes de télévision nationales. Mais quand vous finissez là, derrière ça, là, il y a quoi? Derrière ça, les populations meurent chaque jour. Et ce sont les mêmes slogans que vous servez aux Maliens. Ah oui, les femmes montent en puissance. Et puis après, on attend que les terroristes ont tué 100, 200. Ils ont pris telle ville, ils ont pris tel village, ils ont bombardé tel avion, ils ont tué tel bateau. Deux jours après, les limons. Vraiment, moi je trouve ça un peu malheureux. Donc je voudrais profiter pour dire à Traoré. Et pas celle de s'attaquer à un bateau civil. Et regarder les femmes et enfants périr. La guerre des braves, c'est plutôt celle d'épargner la vie des enfants et des femmes. Normalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des groupes qui se lèvent pour dire à Assimi Goïta, il faut qu'Assimi Goïta traite maintenant avec les djihadistes. Après 3 ans, même avec l'appui de la Russie, je leur ai dit, la Russie n'enverra jamais ses propres soldats se battre au Mali. La Russie n'enverra jamais ses propres soldats se battre au Mali. Et je leur dis ça à chaque fois. Ils ne le feront pas. La Russie, là, elle est fière de ses soldats. La Russie ne peut pas accepter qu'en Afrique, on tue ses soldats. Ça sera dégrader la Russie. Donc, tout ce que la Russie va vous donner, c'est des groupes, c'est des mercenaires. Mais les mercenaires, là, ils ne peuvent pas venir donner leur vie en Afrique. Aujourd'hui, à Wagner, là, le rôle de Wagner, c'est de distribuer les bois de Sadiq, c'est de piloter les avions. Aujourd'hui, ceux qui pilotent les avions d'Assimi Goïta, c'est Wagner. C'est Wagner. La Russie n'a pas encore, ça dit le Mali n'a pas encore d'armes. Parce que ce n'est pas vous qui fabriquez. Ce n'est pas vous qui fabriquez. Donc, il ne peut pas piloter. Et c'est vraiment malheureux. Quand je dis ça à certains cyberactivistes maliens, je dis, quand vous faites vos vidéos, vous menacez tout le monde. Vous avez formé front. Vous allez attaquer l'impérialisme. Libérez d'abord chez vous. Cherchez d'abord à régler cette crise-là. Parce qu'elle sera longue. Cette guerre contre les terroristes, ce que vous avez, parce que ce sont vos frères, ce sont des fils du Mali, elle sera vraiment longue. Jusqu'à vos avions tombent et les djihadistes ont vos avions. Les djihadistes prennent vos armes, vos blindés. J'ai vu des blindés, combien de 10, 15 blindés que les djihadistes ont. Mais ce n'est pas normal. Une vraie armée. Ce n'est pas des pays qui se battent. Quand vous arrivez aujourd'hui, la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, c'est deux pays qui se battent. C'est deux pays. C'est la Russie qui agresse l'Ukraine. Mais vous, c'est une guerre interne entre les fils des mêmes pays. Et vous déployez des chars, des avions. 3 ans, vous n'arrivez même pas à récupérer 95, 90%, même 70% du territoire. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Depuis 3 ans, la civile devait démissionner. Moi, j'ai dit à quelqu'un, mais j'ai dit, mais ça, là, si c'était les civils qui étaient au pouvoir, ils allaient faire un coup d'État. Bâton qu'on a attaqué là, si c'était les civils là, il y a longtemps, Assimi Goïta avait fait un coup d'État. Si c'était les civils là, il y a longtemps, les militaires ont fait un coup d'État, les militaires du Burkina. Aujourd'hui, ils sont là. On tue des bateaux comme un bateau. On bombarde un bateau alors que vous savez que le bateau devait se déplacer. Vous n'avez rien fait. Vous étiez informé. Assimi Goïta savait tout. Vous avez livré la vie des Maliens. Des centaines de Maliens ont été tués. Et ils ont abattu votre avion. Vous essayez de mentir. Vous envoyez les griots à la télévision. Narguez le peuple malien. Narguez le peuple malien.
Normalement, Assimi Goïta devait démissionner. Normalement, après l'attaque de votre bateau, Assimi Goïta devait démissionner. Assimi Goïta devait démissionner. C'est-à-dire, s'il avait une dignité, s'il était vraiment sérieux, il allait dire, j'ai pas réussi ma mission. J'ai déstabilisé Ibeka. J'ai pensé que c'était facile. Et il allait rendre sa démission. Mais comme en Afrique, les gens ne savent pas rendre démission. En Afrique, ils ne savent pas rendre démission. Parce que eux, là, une fois qu'ils ont les armes, ils sont les dieux. Ils sont des dieux. Personne ne peut les contrôler. Ils ne savent plus rendre démission. Ibrahim Traoré, pareil. Je vais leur dire ce soir, pour terminer la vidéo. Vous avez ouvert un front au Niger. Tout ce que vous appelez charte, tout ce que vous signez là, c'est de la pure comédie. Vous tous là, vous m'avez défié ici. On va organiser, on va mettre en place. Non, ils ont dit quelle organisation ils voulaient mettre en place pour sortir de la CDAO. J'ai multiplié des vidéos pour dire, si ces pushistes là se trompent à sortir de la CDAO, ils se trompent à sortir de la CDAO, ils vont quitter le pouvoir. Est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, ils disent charte. Qui va financer leur charte? C'est la Russie qui va leur donner des armes. La Russie va vous donner des armes. Mais si la Russie vient finir de vous donner là, mais la Russie aussi, il y a des gens privés qui vont. C'est un pays où tout le monde peut aller acheter des armes. Je dis ça toujours. C'est un pays où tout le monde achète des armes. La Russie n'a pas de problème. La Russie, c'est son argent. De la même manière que les ministres, vice-ministres là, mais ils vont partout dans tous les pays du monde. Le même vice-ministre qui est venu chez vous là, il peut même aller, ils peuvent aller partout. C'est des raisons. Donc, je voudrais dire à Traoré et puis à Assimi Goïta, il est temps maintenant que vous mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Vous mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Vous ne pouvez pas combattre la CEDEAO. Parce que j'attends ça beaucoup. On va combattre la CEDEAO. Vous ne pouvez pas combattre la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, vous êtes dedans. Dans la CEDEAO, là, vous êtes dedans. Vous n'êtes pas encore sorti de la CEDEAO. Vous insultez la CEDEAO, mais vous êtes dans la CEDEAO. Est-ce que vous êtes sorti de la CEDEAO? Avant d'attaquer la CEDEAO, mais il faut sortir de la CEDEAO. Tu ne peux pas rester dans une organisation et chaque jour insulter d'autres dirigeants de ces organisations. Ce n'est pas possible. Soit vous n'êtes pas sérieux, ou soit vous trompez vos populations. Vous voulez une guerre, vous menez une bataille d'indépendance. La première des choses, Traoré Ibrahim, sortez de la CEDEAO. Depuis que je fais mes vidéos, je vous interpelle toujours. Pour que moi, Zasso, je vous respecte. Sortez de la CEDEAO. Ne faites pas de chantage. Parce que tout ce que vous faites là, c'est du chantage. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Sortez de la CEDEAO. Si vous êtes vraiment sûr de vous, si vous êtes vraiment sérieux, sortez de la CEDEAO. Moi, je vous prendrai au sérieux. Le jour où vous sortez de la CEDEAO, c'est là où vous commencez à comprendre le sens de vos combats. Parce que la CEDEAO, c'est combien de pourcents de votre économie? Vous le savez très bien. Ce n'est pas les armes là qui font la force d'un pays. Hein? Non. C'est l'économie. C'est l'argent. Quand les populations mangent l'eau, l'électricité partout, sécurité partout, c'est là qu'on voit la force d'un pays. Ce n'est pas aller acheter là, mais regardez Soudan. Soudan, là, ils ont payé les armes. Soudan, ils ont payé les armes. Le pouvoir paye. Les groupes terroristes payent. Les groupes armés payent. Mais regardez aujourd'hui Soudan. Regardez aujourd'hui Soudan. Ça fait comme un anel, le Soudan. On fait coup d'état. L'autre, ça va s'asseoir de l'autre côté. Cher ami, ce n'est pas facile. Hein. Je voudrais dire à Taron, là où vous êtes lancé, toi avec Ibrahim, c'est un long combat. Ce que je vais vous demander, et je vous dis toujours, laissez le pouvoir aux civils. Organisez les élections, retournez dans les casernes. Organisez les élections, retournez dans les casernes. Vous avez failli à votre mission. Vous avez failli à votre mission parce qu'il y a eu trop de morts. Si Roch Kabore, il n'y avait pas eu de morts comme ça. Si Damiba, il n'y a pas eu de morts comme ça. Mais depuis que vous partez en Russie, mais vous défiez vos frères. Mais vous êtes dans la défiance parce que vous connaissez. J'ai dit toujours que les djihadistes, les terroristes et les pushistes se connaissent. Assimi Goïta et les groupes armés là se connaissent. Parce que eux, ils ont arrêté Assimi Goïta. Assimi Goïta était aux mains des djihadistes. C'est de là-bas qu'il a renversé Ibeka.
Donc, c'est profond. Cette affaire-là, elle est profonde. C'est les Maliens qui crient, les travailleurs, comment on appelle, les Sankara, là, c'est eux qui crient sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais nous, on vous prend pour des comédiens. C'est les Maliens qui souffrent, c'est le peuple qui souffre. C'est les Maliens qui souffrent, c'est le peuple malien qui souffre. Il faut libérer le peuple malien des putschistes. Il faut libérer le peuple malien des putschistes. C'est le sens de nos vidéos. Vous avez ouvert un front au Niger. Ça ne va rien apporter. Libérez Bazoum. C'est le Mali qui intimide de l'ordre de ne pas libérer Bazoum. Parce que le Mali est convaincu, Assimi Goïta est convaincu qu'il peut combattre la France. J'ai dit à Assimi Goïta et ses amis, j'ai dit le jour où la France veut libérer le Niger, la France va libérer le Niger. Le jour où la France veut libérer le Niger, la France va libérer le Niger. Moi, je vous dis ça chaque jour. Le jour où la France dit, le Niger, là, je mets de l'ordre. La France va mettre de l'ordre. Et puis, il n'aura rien. Il n'aura rien. Je dis ça toujours. Il n'aura rien. Parce que la France sait comment ça commence, mais comment ça termine. Non, la France aussi, c'est un pays. Tous ceux qui font les gens en train de vous regarder, combien de temps ça va durer? Combien de temps ce désordre des terroristes putschistes là va durer? Mais ça, c'est sur la population que ça agit. Et vous allez voir demain, parmi vous là, il y a un qui va commencer à faire un coup d'État. Parmi vous là, il y a un qui va commencer à vous renverser. Il aura forcément des coups d'État entre vous. Et c'est dit aux gens, il y a des gens qui disent, après le Mali, le Burkina, le Niger, ça va tourner entre vous, hein. Ça ne viendra pas en Côte d'Ivoire, je suis désolé pour vous. Hein. Ça va tourner entre vous. Les coups d'État là vont tourner dans vos États, parce que vous, c'est depuis les indépendances. Chez nous ici, là, en Côte d'Ivoire ici, là, aujourd'hui, là où on est là, le niveau qu'on atteint, personne ne peut faire coup d'État en Côte d'Ivoire ici. C'est vrai, je vous dis ça. Hein. Personne. Et aujourd'hui, l'Ivoirien est tellement... L'Ivoirien a tellement compris. Après le coup d'État de Guéï, après la rébellion, tous les Ivoiriens aujourd'hui ont compris. Il n'y a que certains inconscients, irresponsables, qui se débattent, mais ils ne pourront rien faire. Tous ces inconscients, ces irresponsables qui sont dans des partis politiques là, ils ont été canalisés. C'est-à-dire, nous là, on les a canalisés. C'est-à-dire, sous le régime Ouattara, ils sont canalisés. C'est-à-dire, on atteint un niveau où aujourd'hui, on met beaucoup d'argent pour la sécurité du pays. C'est-à-dire, que ce soit la télécommunication, la technologie, que ce soit le chef de l'État, le président Ouattara, vraiment a mis la Côte d'Ivoire à une certaine hauteur. Aujourd'hui où on est, j'ai reçu mes frères de la CEDEAO parce que j'ai appris des coups qui se préparent depuis le Mali, depuis le Burkina, depuis le Mali. Ils veulent faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ils sont en train, mais je vais revenir dessus demain. Je vais revenir dessus demain. Donc, chers amis, je fais cette vidéo pour dire aux uns aux autres, les coups d'État ne sont pas la solution. Traoré, Tchani et autres, comptez sur la Russie, ne vous apportera rien. La Russie n'a pas l'argent. La Russie n'a que ses vieux armes à vous vendre. La Russie n'a pas d'argent à vous donner. Tout ce que la Russie peut prendre, c'est vos minéraux. Mais la Russie n'a pas d'argent. Aujourd'hui, le Mali a besoin d'argent. Aujourd'hui, le Niger a besoin d'argent. Ils ont besoin aujourd'hui des grosses structures qui vont venir, des organisations, des pays solides économiquement qui vont aider ces pays à relever leur éducation, système éducatif, la santé, l'emploi et autres. Mais comptez aujourd'hui sur la Russie pour vous construire, vous vous mentez. Vous vous mentez, vous vous trompez. Je vous dis à Assimi Goïta, il est temps pour toi de tirer les leçons de ton échec. Il est temps pour toi de tirer les leçons de ton échec. Il y a eu trop de morts. Depuis ton arrivée, trop de Maliens sont morts. Ibrahim Traoré, depuis ton arrivée, trop de Burkinabés sont morts. Il y a trop de morts. Aujourd'hui, les djihadistes, les terroristes forment une coalition nationale contre. Mais je viens de dire ça. Les terroristes, les groupes armés sont en train de créer une coalition contre les putschistes au pouvoir à Bamako. Ils viennent de lancer une coalition nationale contre les putschistes au Burkina et au Mali au pouvoir. C'est dangereux. Il faut freiner ça. Et pour qu'on freine ça, il faut que le peuple malien prenne conscience. Il faut qu'Assimi Goïta comprenne.
tu as eu l'argent. 3 ans, c'est suffisant pour que tu sois riche. Toi et tes amis, vous avez eu beaucoup d'argent. Il faut libérer le peuple malien. Il faut débarrasser le peuple malien de ces combats qui n'ont pas de sens. Le combat d'impérialisme n'est pas un combat contre l'impérialisme. Ce n'est pas un combat. C'est de la pure distraction, c'est de la pure propagande. Pour combattre l'impérialiste, il faut que tu sois capable de fabriquer tes propres armes. Il faut que tu sois capable de nourrir ta population. Il faut que tu sois capable de mettre tes enfants à l'école. Il faut que tu sois capable, en moins d'un mois, 2 mois, de sécuriser ton pays. Ça fait des années que vous êtes dans ça. C'est un échec. C'est un échec. Cet argent que vous prenez pour acheter les armes, prenez cet argent pour mettre les Maliens à l'école. Financer leurs écoles, leurs études, l'agriculture, la pêche, l'élevage, la technologie. Faites des routes parce qu'il n'y a pas de route au Mali, il n'y a pas de route au Burkina. Regardez les vidéos de leur propre télévision dans les zones terroristes ou djihadistes. C'est-à-dire les petits espaces qu'ils fument. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a vraiment pas de route et c'est vraiment triste. Ça fait vraiment pitié. Je voudrais vraiment vous dire merci. Continuez de partager la vidéo. Continuez de vous abonner. La lutte continue. Ne baissons pas les bras. Notre vrai combat, c'est de débarrasser l'Afrique des putschistes, des djihadistes et des terroristes. Nous ne devons pas baisser les bras. Il faut continuer de renforcer nos forces parce que le continent, le Sahel, est en danger. Le Sahel est en danger. Il faut débarrasser le Sahel des putschistes et des terroristes qui sont devenus un danger pour ces États. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On ensemble. Dieu bénisse l'Afrique des dignes fils. Débarrasser des coups d'État et des djihadistes.